Ici, les histoires prennent un tournant macabre. Des vies brisées, des destins qu'on sabre. C'est l'histoire d'un homme qui jamais ne plaît. Les fautes qu'il traîne et ce qu'il fait tomber. Tahao, un nom qu'on veut pas dire. Arrivé en France, c'est la nuit qui va fuir. Clandestin dans l'ombre, il commet l'irréparable. Viol sur viol, il transforme la vie en sable. Condamné une fois, 7 ans derrière les barreaux. Mais la justice tourne, le laisse dehors trop tôt. Un juge décide, ouais, la loi est clémente. Mais un monstre en cavale, c'est la mort qui se présente. Le malheureux libre qui va l'arrêter. Les crimes s'accumulent, qui va l'expulser. On laisse la terreur agir sans contrôle. Trop de victimes dans ce monde qui s'effondre. Libéré du CA, il se fait discret. Un homme sous QTF, mais personne l'a traqué. Laissé dans un hôtel, il fuit l'assignation. Plus personne le voit, mais il trace sa mission. Philippine, elle était jeune, juste 19 ans. Mais croiser sa route, c'était son dernier moment. On parle de récidive, on parle de violence. Mais qui prend le blâme pour toutes ces négligences? Le malheureux libre qui va l'arrêter. Les crimes s'accumulent, qui va l'expulser. On laisse la terreur agir sans contrôle. Trop de victimes dans ce monde qui s'effondre. Le Maroc avait donné le feu vert pour son retour. Mais trop tard, l'homme a fui. Le mal autour, il devait partir. Mais c'est la mort qui l'a semé. La liberté offerte à un tueur, une erreur assumée. Les juges enchaînent des décisions sans fond. Mais c'est le peuple qui souffre sous le poids des affronts. Combien de vies détruites avant qu'on prenne conscience que la justice lâche est source de cette violence. Ah, bon.